Salut, c'est MegaDriver 16. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque c'est la démo de Resident Evil 2, le reboot ou remake fait sur console nouvelle génération. Et donc, le concept, c'est on a une demi-heure, je crois, de jeu. Donc, je lance là directement. C'est la première fois que j'y vais. D'ailleurs, ce que j'espère, c'est qu'au niveau de la du son, ça va aller. On va bien m'entendre. Qu'est-ce que c'est, français? Français, ok. Déplacer jusqu'à ce que l'image soit à peine visible. C'est quoi, c'est le damier là qu'ils veulent? Ah voilà, un damier. Là, c'est à peine visible. Déplacer ce que l'image soit à peine visible. Voilà. Déplacer le curseur jusqu'à ce que l'image de gauche disparaisse. Si l'image ne disparaît pas, vérifier que les réglages de luminosité sont au maximum. Ouais, ben, l'image de gauche, elle a disparu, hein. Voilà. On va se mettre au milieu. Et enfin, faire correspondre la zone du rectangle avec la taille de l'écran. Voilà. Bon. Eh bien, enfin. Allez, on va commencer. Resident Evil 2. Sous la pluie. Ambiance sonore déjà. Et une demi-heure, c'est parti. Vivre le cauchemar de l'aventure principale. En voulant faire une courte pause dans une station-service aux abords de la ville, Léon S. Kennedy, jeune recrue de la police de Raccoon City, était loin d'imaginer qu'il se retrouverait au beau milieu d'une marée de zombies. Accompagné de Claire Redfield, dont il vient de faire la rencontre, Léon roule jusqu'à Raccoon City à bord d'un véhicule de police, mais un accident vient séparer les deux compagnons d'infortune. Se frayant un chemin parmi les dangers qui l'entourent, Léon parvient à rejoindre le commissariat de la ville. Est-il en sécurité pour autant? Sûrement pas. Explorer le commissariat, donc. Se déplacer, c'est avec le stick gauche. Contrôler la vue, ok. Courir, c'est comme ça. Là, on voit notre héros, Léon. On a déjà entendu un bruit. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, ça c'est des munitions. Eh ben, c'est très bien. Combiné. Ouvrir l'inventaire. Ok. On a notre pistolet, on a 12 balles dedans. On peut combiner des objets, d'accord. On a une lettre de l'officier, enfin de notre supérieur, pour nous féliciter d'être parmi eux. Et ça, la carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt et des objets non ramassés. Ok. Ok, très bien, bon. Ah ben là on peut rien faire, c'est un truc de sauvegarde je crois. Les machines à écrire. On tombe sur un ordi. Il y a forcément quelqu'un ici. C'est pas bon ça. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir, tout est là-dedans.
Envoyez des renforts dans le couloir est. Il faut que j'aille l'aider. Voir la carte. Allez, regardons la carte. On est ici. Hall principal. Salle du gardien. Et c'est là qu'il faut qu'on aille. Ou alors ici, dans le couloir est, comme il dit. Bon, ok. Là, c'est pour viser la gâchette gauche. Et j'imagine que la gâchette droite... c'est pour tirer. Un autre point d'intérêt, c'est quoi ça? Mathilda, arme de poing, oui d'accord, ok. Bon, rien de particulier. Examiner quoi? Examiner le flingue. Torche d'ailleurs pour y voir un petit peu mieux. C'est quoi ça? Ça c'est pour changer si on a plusieurs armes. Ok. La gâchette haute, rien. Gâchette haute droite, rien non plus. J'ai entendu un bruit. De toute façon, le jeu, c'est fait pour nous faire sursauter. Donc, dans ce commissariat des déserts, on n'a pas fini de l'entendre. Là, il y avait quelque chose, là. C'est quoi, ça? Faire tourner. Ouais, donc là, il y a des combinaisons. Mais on n'a pas le code, donc on sait pas du tout. Là, je fais confirmer, mais ça n'a rien ouvert du tout. Bon, comment on y accède là-bas? Et j'aimerais bien savoir comment on s'essouffle. Ça s'ouvre pas, ok. Il nous manque une clé, il nous manque quelque chose ou quoi? On peut pas taper dedans. Ok, j'apprends un petit peu le gameplay en même temps. Même s'il est relativement rudimentaire. Alors là, on va voir à quel point on peut s'essouffler d'ailleurs. Oh, il y a peut-être une porte qu'on n'a pas vue dans le coin là. Keep out. Donc ça, ça veut dire rester à l'écart. Pas trop ça. Ah, voilà, là on a la loupiote. Et on doit être... voilà, on est dans le couloir qui va nous permettre d'aller à la salle du gardien par exemple. Ah, il y a de la flûte.
Ça permet de faire quoi? Rien du tout, rien de particulier, on n'a pas d'objets qui peuvent nous servir à ça. Ah, j'ai cru que ça allait être notre première rencontre avec un zombie. Ça va aller. On peut reculer tout en visant. Merde, on va pas pouvoir passer par là. Oula, des traces de sang. Et là, il y a un cadavre. Et mais ils ont dormi dans le coin, là. À la Walking Dead, un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Combiné. Ça nous fait 26 munitions. Ça, c'est plutôt bien. C'est quoi ça, un interrupteur? Et là, on est quoi? On est dans l'observatoire? On est où, là? La salle de conférence. Ok. Mais on peut pas en sortir. Tiens, là, c'est quoi? Un appareil photo? Ça, c'est barricadé. Ça y est, on s'est frayé notre chemin. Ok, des cadavres partout. Ici, pas grand chose à faire. Ah, là, on va pouvoir entrer quelque part. Ouvrez-moi! Vite! Ouvrez-moi! Ouvrez cette putain de porte! Ouais. Je veux tirer dessus, sûrement. Merde, il faut qu'on trouve un truc pour couper le cadenas, a priori. Est-ce que là, il est derrière ou quoi? Je vais vous aider! Donnez votre main. Je vous tiens. Votre main, allez. Tenez-le. Alors, carnet d'officier, parking, je sais pas quoi.
Il nous montre le lion. Il nous montre une joueuse de harpe avec un oiseau. C'est des combinaisons, quoi. D'accord. On a vu que si on allait positionner statue. Bah, c'est des intrigues. Retourner dans le hall principal. Ok, mais à mon avis, on va faire de mauvaises rencontres sur le chemin. Et il veut pas crever. Allez mon gars. On y va. Éclate-lui la gueule avec le pompier. Attention ! Laisse-moi le cul ! Ah ben voilà, merci mon gars. T'es en sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. Ah, sauf qu'il est mal en point quand même, hein, notre compagnon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera toute crue si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme! Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues,
ou tu cours. Compris ? Compris. Il nous a donné quoi là ? Un couteau, non ? A priori ? Couteau de combat. À équiper depuis l'inventaire, le couteau s'abîme à chaque utilisation et casse lorsque sa jauge est vide. Left bouton de sortir le couteau, RT, attaquer. Vous pouvez contre-attaquer LB quand un ennemi vous saisit et récupérer le couteau une fois l'ennemi vaincu. Ok. Alors, sortir une arme secondaire et attaquer. Ah, là on a le couteau. Ok. On pourrait abréger ses souffrances à lui. Non, on peut pas. On peut pas viser, regardez quand on se met là. Bon, de toute façon, c'est pas l'intérêt. D'accord, là il fallait trouver des objets, non ? Tiens, l'ordinateur, non, l'ordinateur, rien. Là, c'est par là qu'on était tout à l'heure. Là, c'est l'entrée qui a été barricadée entre-temps. Regarde vite fait où est le carnet là du gars. Donc Wyatt, c'est par le parking. Donc là ça nous dit où on doit être. Bon, de toute façon il ne doit pas y avoir 20 000 accès, on est que dans la démo. Ici, il y a une ouverture, on l'a vu, là. Non, on peut pas l'utiliser. On n'a pas de serrure. Là-haut, on sait qu'il y a le lion. C'est comme ça que j'imaginais mes premiers jours. Ah, une plante, ça nous donne de la vie, je crois. Ok. Une plante verte native des montagnes, hein, restant légèrement à la santé. Et elle est où d'ailleurs d'autres choses de santé? Je sais pas trop où on la voit, mais bon. Ah, des munitions. C'est toujours bon à prendre. Eh mais pourquoi j'ai plus de munitions quoi? Santé et objet de soins. Au fur et à mesure des dégâts que vous subissez, votre statut est indiqué par le moniteur de santé en bas à gauche, d'accord? De l'écran changera. Ok, attention, danger. Lorsque vous êtes à danger, soignez-vous avec une plante verte ou un spray premier secours. D'accord. Là, la santé, elle est plutôt bonne. Et j'ai 11 munitions. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi je peux pas le combiner? Parce que j'ai plus de munitions là-dedans. Confirmer, déséquiper, combiner. Merde. Voilà, j'en ai 11. Ce qui a fait que je n'ai plus de munitions. Ah ouais, c'est chaud. Et il va falloir vraiment bien les utiliser.
Là, ils ont barricadé ce coin. Bon, ok. Ici, on va pas prendre une hache ou un truc comme ça, là, de sécurité. Cher, hein. C'est quoi? Eh ben, c'est un autre cadavre. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui me file des munitions là-dedans, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Peut-être le couteau utilisé? Non, ça sert à rien. Ah ouais, quand on est passé, ça nous a fait sursauter, bien sûr. Ça s'ouvre pas non plus. Ici, ça s'ouvre ou pas? Non. Tiens, là, il y a une interaction possible, on dirait. Ouais, ben, toujours rien. Ou un zombie. Ouais, ben on va le laisser de ce côté, hein. Il n'arrive pas à ouvrir la porte. Enfin, on l'a eu, la fille, ou pas? Il nous reste 6 munitions. Maintenant, il va falloir courir, hein. Weapon locker, carte d'accès. Ok, très bien. Ça va sûrement nous servir. C'est quoi ça? Rapport d'événement. Ok. Bon, ça, vu que le temps nous est compté, on va pas y rester 10 ans. C'est pour l'immersion. Plan du commissariat. Très bien. On est dans la salle des opérations. Et nous, il faut qu'on continue notre route, hein. Ah ouais, faut qu'on passe par des conduits ou quoi? Non. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Rien du tout. On va peut-être essayer de dégommer au couteau. Hein. Sauf s'il nous voit pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah merde, il nous a vus. Ah mais non, mais tu es une bille là. Mais... il faut que j'utilise... ça. Sang. Merde. Ouais. Une cartouche utilisée pour rien. Ouais.
Mais... Alors, ça c'est un code pour je sais pas quoi. Y a pas des munitions là ? Ouais, et comment on fait pour la récupérer ? Ah ouais, le chien là. Il va nous poursuivre et nous on est pas bien. Là j'ai quoi ? J'ai peut-être la carte d'accès, non ? Prends-nous ce truc-là. Ouais, ok, allez, allez. Prends-les, et ça aussi. Alors, attends. Il faut qu'on change d'arme. Ce que je veux, c'est ça. Équiper et combiner... Avec ça, non, il n'y a pas besoin. Il est où le gros là ? Ah, mais il est coincé, non ? Oh, attends, il n'est pas vraiment coincé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Et ça, le 208, j'aimerais bien pouvoir le récupérer, quoique avec la carte d'accès, est-ce que ça marcherait pas ça ? Carte d'accès, non. Ouais, on n'est pas bien au niveau de la santé. Dans le terminal des casiers, il semble que certaines touches manquent sur le terminal des casiers. Je conseille au responsable de trouver des touches de rechange et d'arranger sa fissa. D'accord. D'accord. Moi, ce que je voudrais, c'est des munitions, là. Ouais, on sait qu'il a mal. Ah, merde. Bah, je crois que là, la tête, elle a bien explosé. Donc là, les munitions, c'est le 208. Allez, 208. Ah merde, la 208, elle est pétée. Ah ben d'accord. On n'est pas bien. Ah, au moment... Merci d'avoir joué au moment où on essaye de récupérer des munitions. Bon ben voilà, ça y est. On a fait notre démo, temps écoulé. Vous avez atteint 30 minutes de jeu. Découvrez la suite de l'histoire dans le jeu complet. Voilà pour... cette démo de Resident Evil, bien frissonnante bien sûr, hein, dans ce thriller, dans ce jeu d'épouvante, ô combien célèbre la franchise de Capcom, et sa série, une de ses séries stars avec Resident Evil, arrive donc sur Xbox One et PS4 je suppose, et en voici la démo que je vous ai proposée, je vous dis... à plus tard. Moving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ. What is that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, しんど。